on a besoin de respirer, on saute sur le ballast, on prend un bol d'air, on respire à fond, et là, une odeur infecte, puisque ça sentait la chair brûlée. Avoir un témoignage comme ça, c'est hyper important pour qu'on comprenne réellement ce qui s'est passé là-bas et qu'on prenne conscience que bah, ça fait partie de notre histoire et ça fait partie de notre passé, du passé de la France et de l'Europe, et que c'est important bah, voilà, de réaliser que bah, ça a été réel et que des gens l'ont vécu. Moi, je n'avais jamais rencontré de résistants ou de personnes qui avaient survécu à la déportation. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant et de très intéressant.